Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou son blog itisan3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur Observer, un jeu PC qui m'a été offert par Sofiane. Encore une fois, merci beaucoup à toi. Donc, comme je disais, coucou Méa, et épilepsie, c'est vrai qu'il avait mis qu'il y avait des moments épileptiques dans le jeu, qu'il fallait faire attention. Je crois qu'il l'avait précisé. Bonjour, bonsoir la rediff, c'est mignon. Et bah je sais pas, j'ai vu effectivement qu'à un moment, alors moi aussi avait joué, j'ai pas suivi, mais comme souvent. KPD, I'd like to have a word. Du coup, ça me rend curieux pour l'instant. What the hell is going on? Why are we under lockdown? Le rythme est très très lent par contre. Most likely a malfunction. I'm still looking into it. Well, you ain't looking in the right places. Because I don't know nothing. Noticed anything suspicious or unusual? Other than the lockdown, I mean. Well, the couple from 104 were making an awful lot of noise a while back. More than usual, I mean. The girl ran off. Then it got quiet. Did you see where she ran off to? I ain't one to snoop. But judging by the footsteps, I'd say she ran down to the courtyard. Anything else you can tell me about them? What? The couple? Don't know them that well. The girl seems nice enough. Not sure about the guy, though. C'est assez captivant, ouais. Violence conjugale, la femme, l'homme. Allez, on va poser les questions qu'on peut. Oh, she's a trooper. Works double shifts at Chiron to support that ex-con asshole of a husband. Any idea what she might be doing for them? Can't be too important, or she wouldn't be living in this shithole. Explains the look on her face, though. What do you mean by that? Worn out, fidgety, jumping in shadows. Working for the corporation has that effect, I guess. What can you tell me about the guy? Amir? I think he's called. He looks tough, but he's got the yellow eye, you know? Twitches like a junkie. Probably sells the shit, too. How do you know that? What, the dealing? I see him sneak around during the night, carrying packages and stuff. I doubt he's the goddamn postman. Does this kind of stuff happen often? You ever see a husband get violent? Nah, he ain't a wife beater or anything like that. He's just messed up. Then again, non, c'est faux. Moi, je fais tout ce qu'il y a de plus stable. Anything at all? Well, other than some asshole bringing animals into the building, I'd say that's pretty much it. D'accord, mais t'es épileptique aussi. I could swear I heard something growling in the hallway earlier. I informed the janitor, but he'd lose the plot midway through the talk anyway. Thanks. You've been very helpful. That's new. De quoi qui est nouveau, qu'on dise merci ou qu'il nous aide? Donc on est devant le 104 là. C'est ici que ça se passe et la porte est ouverte. Donc on risque de tomber sur un gugus. Je ne peux pas activer le bouton. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut... Non, on peut toujours pas essayer de scanner quelque chose là-dedans. Anyone here? Je crois que ce monsieur est en train de mourir. Chiron Corporation ID. Low level clearance, but still valid. Ventilateur. Je veux dire, le simple fait de voir le ventilo, ça me... Oula! Ça va, monsieur? C'est rien, c'est juste des petits morceaux qui... C'est juste des petits morceaux qui se baladent. Ça doit être tellement désagréable. C'est pas très joli, hein. What happened here?
listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. Don't try to talk. There's another way. Ça, c'est pas l'idée du siècle. Ok, agression, vol, possession de stupéfiant. On dirait qu'il a une sorte de pacemaker. Subject approved. Commencing neural interrogation. T'as pas l'air d'aller bien, mon gars. Ça mène pas au bon endroit ici. Non mais oh. Pas question qu'on laisse les choses allumées. Tout est fermé, il faut que je trouve l'appartement 104. La porte est ouverte. Amir, is that you? Moyen de prendre la douche, ça. C'est tout? Enfin, c'est bien gentil, mais... Faut que je fasse quoi après? Alors quelqu'un est en prison, donc c'est lui qui est en prison ou... Peut-être qu'il fallait que j'analyse quelque chose là-dedans. Non, je peux rien analyser. Quelle horreur. Ah! Là on regarde par la fenêtre. Ah! Attends, on voit une forme là. Pas monter par là. La fenêtre a de s'être ouverte, mais je peux pas monter ici. Peut-être que si, en me baissant. Il paraît qu'il y a plein de jumpscares dans le jeu, donc on risque d'avoir des réflexes. C'est bien ouvert la porte. Généralement, ce genre de couloir, c'est pas une bonne chose dans ce genre de jeu. Bah alors, bonhomme, t'as pas vu la vitre? Ça m'étonnerait qu'il faille que j'aille par là. On va aller vers la lumière. Toujours aller vers la lumière dans les jeux vidéo. Entre nous, je pense que ce mec est quand même un poil dérangé. Non? À ce stade-là, quand on va voir dans la tête de quelqu'un et qu'on commence à voir ce genre de choses, je pense qu'il y a de quoi se poser des questions. Les chiffres sont pas du tout les bons. Thanks, kid. This should get me through the week. Ok, ensuite Podczas procesu suszenia rośliny następuje częściowa recenizacja i ostrzyjaminy. Suszony surowiec zawiera zmienne ilości... J'ai entendu Coco Chanel. C'est pas ça? Et c'est comme ça qu'ils ont fait Captain America. D'abord quelques analyses, après quelques empreintes, et ensuite on les picouse et voilà, c'est réglé. Je sais pas si c'est un son voulu ou non.
là, le mec, il a pris des coups, là. Bon, apparemment, je ne peux pas. Peut-être qu'il fallait que je les ramasse toutes les affiches comme ça. On serait dans un vieux film de Charlie Chaplin comme ça. C'est rigolo. Ensuite... Mais de rien, merci, au revoir. On reconnaît les salles. On est déjà passé par là. Donc ça veut dire que dans un sens, il était là lui aussi. Quoique le bâtiment, ça va être complètement à la ramasse. En tout cas, là, c'est vraiment que de l'ambiance et du déplacement. What the fuck, man? I told you not to show up during the day. Les souvenirs de la guerre, peut-être qu'il a fait la guerre, le mec. Oh! Des trucs qui flottent. Ah! On entend encore l'eau qui coule. Je pense que ça a une signification quand même, cette histoire d'eau qui coule là. Bouteille de gaz. Ah! Dès qu'on se rapproche pour l'éteindre, ça s'arrête de couler. Donc peut-être que le mec a fait de la prison. C'est parce que je meurs ou... Je comprends pas trop ce qui m'arrive. Ah! On est plus ou moins dans l'appart, là, non? T'es où? Ça a pas l'air très gentil comme bestiole. Mais voyez, que ce soit juste pour faire peur, ça me dérange pas, en fait. Ce qui, là, moi, m'embête, c'est surtout qu'on va être poursuivi par des monstres, et j'ai horreur de ça, ça me gâche le plaisir. Chérie, c'est toi? Chérie, où es-tu? Est-ce qu'on a une pièce avec des poubelles? Les poubelles là-bas. Pièce avec les poubelles. Pièce avec la table de jardin. Celle-ci. Pièce avec la lumière jaune avant. Ou au-dessus. Bon, je dirais plutôt celle-ci, non? Là, c'est la pièce avec les câbles à côté. C'est la seule que je vois comme ça, donc on va retourner par là-bas. Pièce avec les poubelles, donc je me suis peut-être trompé là. Me tromper parce qu'on est revenu au début. Ça apparaît sur tous les écrans. Donc c'est celle-ci. La pièce avec les câbles. Où est-ce que sont les câbles? Tu combattes un moustique. C'est pour ça que c'est quelle horreur. Du coup là je vois pas trop est-ce qu'il faut que j'aille la pièce avec les câbles. La seule que je connaisse qui a des câbles en fait c'est celle-là en fait. Mais du coup là on voit que je me trompe. Toc. Toc.
avec la lumière ici. Et là, c'est les câbles. Ah bah si, il y a celle-ci avec les câbles. Quelque chose à nous. Je crois quelque chose qui arrive dans notre dos, mais. On va essayer d'aller en lumière, de lumière en lumière, pour voir. Vraiment, en termes de direction artistique, c'est réussi. Hein. Bonjour messieurs, je vous passe à travers, ça vous dérange pas? Eh mais c'est nous ça, non? J'arrive. Oui. Bonjour messieurs. Donc ce gars-là a fait de la prison, ok. Bonjour, bonjour. J'ai l'impression que c'est que des mois dans les prisons, non? Peut-être qu'on est tous tatoués de la même manière parce que justement on est en prison. Je sais pas si chaque personne que l'on va interroger comme ça va être... I'm out! I'm out! Oula, apparemment il se fait tabasser aussi en prison. C'est sympa, il y a plein de petits détails. Je sens qu'à un moment ou à un autre, ils vont nous faire tomber quelque chose dessus. Je vais parler derrière moi. Je crois qu'il essaie de faire la techno. Ah, je vais pas regarder derrière moi. C'est bien, ça raconte vraiment leur histoire. Hein. C'est quand même long pour avoir une réponse, mais... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et le mec, on se retape toute sa vie. Ah, d'accord. Ok. Euh...
Toc 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 toc. Finally. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur ce drogué, bon pour l'instant je suis content, on n'a pas eu de poursuite à proprement parler. Ce qui fait que je peux profiter à mon rythme et bien tranquillement de l'ambiance. Mais comme j'ai lu certains tests et dans certains tests ils disent ah, attention phase de phase. Ah oui, effectivement pour les épileptiques ça doit être joyeux. Et comme ils disent phase de test. Phase de feed, pardon, compliqué. Amir, do you remember the night we met? It's hard to forget. Ah ouais, là pour les épileptiques, ça doit être que du bonheur. Muscles and tattoos, you were like a big wounded animal. Lost. Alone. Hey, at least you knew what you were getting into. Yeah, I guess I did. D'accord, je suis en train de tomber, mais c'est vrai que je veux bien comprendre que pour les gens qui sont épileptiques, ça devient vite compliqué. Hein. Jacked in the tattoo shop. Ah, c'est là qu'il faudra que j'aille après. Jacka. Est-ce que c'est lui qui faisait les tatous? In sickness and in health, forsaking all others. Salut Bébert. Comment ça va? Until death do us part. Any regrets? Au troisième essai, ce qu'il faut aller ailleurs. Voilà. Temps de comprendre comment ça fonctionnait. Il a trouvé la GameCube. Ah non, c'est une télé. Suivez la télé. Il y a du vide. Faut pas tomber dans le vide. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a l'air d'avoir du mal avec la douche et les toilettes. Hein. Pourquoi il est obsédé par les douches? J'ai vu la lumière. Non, non, rien à voir avec The Darkness, c'est Observer comme jeu. On commence à des choses jolies à l'écran. Ah, ça commence à grésiller à nouveau, on va pas tarder à recroiser la bestiole dégueulasse, j'imagine. Ça fait vraiment comme dans Soma. Hein. Ça se demande même si c'est pas les mêmes gars. Ah, c'est trop chaud maintenant, faut qu'on mette plus froid, c'est ça? C'est long!
compassion, promote synchronization, administer silver solution. Je suis où là? Neural interrogation aborted. Subject expired during questioning. Emergency extraction procedure successful. Ah bah c'est triste, pauvre monsieur. Bon, au moins je suis content, on n'a pas été poursuivi. I am an observer, succès déverrouillé. On va se soigner. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Désolé mon gars, apparemment en plus je t'ai laissé jouer avec tes boyaux. Well, you got your last fix. Hope it was worth it. Alors le fixe ça ressemble à ça, d'accord, c'est une sorte de... D'accord, je... Sympa comme principe. Est-ce que je peux analyser? The voice box implant. Not uncommon among long-time feed addicts. The only thing that was keeping him alive. Cardiaque artificielle. Overclocking détecté. Et ça, je l'avais déjà analysé. Il y a du sang, des traces de griffes encore. Au moins, trace substance réglementée. On a détecté, mais c'est les traces de griffes qui moi m'intéressent là pour le coup. The cutting pattern matches the one from previous victim. Bon, madame s'est enfuie. Alors ça, c'est quoi? C'est une salle de bain? C'est... Ils ont tort d'avoir une douche immense, en imaginant que ce soit bel et bien la douche. Sinon c'est des canapés qu'ils ont rassemblés ensemble pour faire un espace douche. La plupart des meubles sont empaquetés. Ça fait quand même deux meurtres là déjà. Hein. C'est pas rien. Peut-être que je peux demander du coup au cadre holographique. Ok, rien de plus à voir par là. Donc le gars doit être au courant, le concierge, j'imagine. Le concierge doit avoir des infos. Et du coup, on a vu une sorte de monstre passer quand même, hein, donc. You must be Helen. What else are we hiding in here? Vraiment, l'intérieur réussit des bâtiments là comme ça. Il y a des aimants placés partout, des belles sources de lumière. Qui arrive plus à parler. Ah. Ce truc est coincé. Aucun résultat, stockage monétaire non enregistré. A credit chip. Handy for storing off the grid currency. Ça c'est la sortie, d'accord. Mais est-ce que j'ai vraiment tout vu par ici? On en est au niveau quête. Au niveau mise en place. Examiner la scène de crime serait peut-être une bonne idée de scanner l'appartement des Nowak à la recherche d'un indice supplémentaire. Trouver Elena Nowak. Et mort, mais sa femme a réussi à s'échapper. La mange rêve m'a montré des images d'un son tatouage. Je crois que j'en ai vu un dans la cour de l'immeuble. Ok, mais au cas où. Des bombes de peinture. Ok, rien de plus par ici.
Là, je ne vois rien de plus non plus. Là, comme j'ai dit, on peut pas l'ouvrir. C'est fermé. C'est quand même bizarre que ce soit fermé d'ailleurs. Ah! C'est un homme chez LM, Palo. Préfère se laver dans du sang. Alors. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, celle-ci, elle m'a démonté. Ça bien. Non, mais celle-ci, faut pas que je passe par là en fait. On va réessayer. Je veux les faire à un niveau. Je me dis qu'il y a forcément un truc à gagner avec ça. Mais par contre, j'ai les yeux qui me démon. Qui me démange, qui me... Waouh. C'est pas la grande joie. Hop là, c'est bon, ça va mieux. On va y arriver. Les avoir. Comment puis-je réussir à tuer la dernière? C'est ça que je pensais. À chaque fois pour moi c'est des vaches, c'est pas les araignées. C'est ça qui est le plus terrible je pense. À chaque fois je commence comme ça. Pas bon ça, j'arrive pas à comprendre comment je suis censé me débrouiller ici. Donc ça je récupère dès le début. Ah non, c'était les autres trucs qui me suivaient. À mon avis, il faut quand même que je... D'accord que là, j'ai pas le choix.
Comment je peux avoir les deux dernières? C'est là que c'est bien galère. Là, je suis bloqué. J'ai bien fini par réussir à trouver la solution, mais pour le moment, c'est pas encore ça. Directement vers moi après. Je veux arriver à faire ce niveau. Le mec il va s'acharner jusqu'à ce qu'il y arrivera. C'est il y a pas de deuxième possibilité, deuxième solution, c'est tout rien. Parce que lui il est trop loin là. C'est ça, ta-da-da-da, ta-da. Niveau 4 terminé. Voyons voir le reste. Alors messagerie, ça se voit encore. Ça se voit encore avant toute chose, en tant que ton tatoueur, je dois te demander d'arrêter de m'envoyer des messages. Si tu penses avoir un problème, viens me voir au salon. Ensuite, le motif sur ton cou cicatrisait très bien la dernière fois que je l'ai vu. L'accélérant a fait son effet, et s'il part en vrille, comme tu dis, c'est sans doute parce que tu n'arrêtes pas de le toucher et de le gratter. Pour la dernière fois, laisse-le tranquille, passe me voir pour un check-up si tu veux, mais je me prends pas plus la tête avec tes inquiétudes, je ne suis pas psychologue. Donné corrompu, le dernier batch que vous avez ramené était partiellement corrompu. J'ai réussi à en récupérer la majeure partie, mais comme je l'ai déjà dit, vous devez laisser le temps à l'outil de décryptage de passer à travers les brouilleurs. Pour que notre collaboration fonctionne, vous devez remplir votre part du marché. Ce sont les données sensibles. Chaque ligne de ce code faussé équivaut à des heures de travail en plus, et mon temps est précieux. Je l'ai dit et je le répète, le logiciel est indétectable. La seule façon pour vous faire prendre, c'est que quelqu'un vous voit en train d'interagir physiquement avec le poste de travail. Je sais que vous avez peur et j'ai bien conscience des risques encourus, mais c'est également pour cela que je vous paie. Et désolé, là, on se connaît depuis un bail, toi et moi, mais je ne peux pas t'aider cette fois, j'aimerais vraiment, mais même en mettant de côté les problèmes de santé récurrents d'Amir, les supérieurs ont mis en place une politique de recrutement très stricte. Aucun citoyen de cette catégorie C, et surtout pas d'ancien tolard. Je sais qu'Amir est un type bien et qu'il a le droit à une seconde chance, mais je ne peux vraiment pas contourner ces stupides règles. Encore une fois, je suis vraiment désolé, si je peux faire quoi que ce soit d'autre pour t'aider, dis-le-moi, prends soin de toi, Aneta. Ok, donc ça ensuite, citoyen productif, c'est long à lire leur document là. Là, on arrive 40 minutes, nickel. Éviter le déclassement civique. Restez actif, postulez pour un poste autorisé maintenant. Filtrez les postes. Qualification ascendante. Catégorie citoyen C. Retribution toute. Technicien de surface. Description de l'emploi. Inspecteur quotidienne. Inspection quotidienne du système d'assainissement du quartier C. Intervention rapide en cas de défaillance des installations de traitement des déchets. En cas de défaillance, maintenance et épuration générale de l'installation. Exigence. Bien qu'une tenue protectrice soit fournie, les candidats doivent posséder une tolérance exceptionnelle au relent toxique. Les filtres de cavité nasale sont un avantage. Nous proposons aux candidats sans un plan protecteur une privation partielle de leur sens en raison de l'exposition fréquente à des substances nocives. Les techniciens doivent suivre des scans biochimiques quotidiens. Exterminateur de nuisibles juniors. Description de l'emploi. Strictes exterminations
stricte extermination de nouisibles dans les secteurs hautement infestés des quartiers C. Extermination quotidienne à l'aide de produits chimiques et de moyens cinétiques. Exigence, les candidats doivent posséder une résistance physique ainsi qu'une endurance et agilité élevée afin de mener à bien les opérations d'extermination dans les zones difficiles d'accès, telles que les toits ou les conduits à ventilation. En raison de nature dangereuse du poste, tous les candidats doivent subir une vérification, pousser les antécédents et seront régulièrement soumis à un test de détection de substances réglementées. Opérateur de chaîne de montage de drones, description de l'emploi, contrôle basique et activité de maintenance sur une chaîne de montage de drones. Exigence, bien que non obligatoire, des connaissances de base en robotique sont un avantage. Un minimum de 2 ans d'expérience sur une chaîne de montage est requis. Tous les candidats doivent également subir une vérification basique des antécédents. Coursier de données. Description de l'emploi, distribution des paquets de données cryptées, niveau de confidentialité 2, 4, depuis et vers les succursales des quartiers B et C. Exigence, en raison de la nature mobile du poste, un laissez-passer visiteur des quartiers B est nécessaire. Ce laissez-passer sera attribué aux candidats une fois qu'ils auront passé un test basique de connaissances civiques, ainsi qu'une vérification poussée des antécédents. Un emploi de stockage de données de classe CR ou supérieure est requis. En raison de la nature confidentielle de certains contrats, tous les candidats doivent subir chaque semaine une procédure et d'effacement de la mémoire à court terme. Technicien de maintenance junior, description de l'emploi, entretien programmé et d'urgence de projecteurs holographiques grand public dans les domiciles de catégorie C. Exigence, étant donné que les missions sont effectuées par des particuliers, les candidats doivent avoir un haut niveau de stabilité et un comportement amical. Les tarifs ne sont pas fixes, le salaire est uniquement basé sur le nombre de maintenances réussies et attribuées et devises non échangeables. Je crois qu'on a tout fait. Et Koto, Iti, Koto. Koto, Iti a tout fait. I love you. Oh. Rien. Et rien non plus. Un simple coussin. Rien de ce qu'il y a. Rien de plus simple, quoi. Un coussin simple. J'ai rien oublié. C'est bon, on va pouvoir quitter la pièce. Et aller voir ailleurs si on y est. On va dire qu'on a tout vu, tout entendu. J'ai quand même du mal à comprendre ce que c'est ce truc. On dirait vraiment qu'ils ont posé des canapés avec du plastique dessus hein, pour récupérer le son. Ok, on est bon. Du coup, je vais vous laisser devant la vue du ventilateur. On va couper la rediffusion ici. J'espère que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur rapstage.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Salut. Alors, je vais peut-être mettre un tout petit peu de temps à relancer la rediffusion, tout simplement parce que je vais me chercher de l'eau. A tout de suite.